Kratos, les dieux exigent plus de vous. Vous avez appris à manier les lames du chaos, mais elles ne vous permettront pas d'atteindre votre but. Je vous offre ma propre lame, celle que j'ai utilisée pour tuer un titan. Prenez ce cadeau et utilisez-le pour venir à bout de votre quête. Prenez cette arme, Kratos. Exploitez sa puissance et utilisez-la pour vaincre vos ennemis. Allez avec les dieux, Kratos. Avancez au nom de l'Olympe. Thank you.
Les corps déchiquetés de ceux partis à la recherche de la boîte de Pandore gisaient devant lui. Kratos sut immédiatement qui était responsable. Ce n'était pas la première fois qu'il voyait le carnage qu'Arès et ses serviteurs laissaient derrière eux. Kratos avait déjà vécu cela, des années auparavant. Étant le plus jeune et le plus brave capitaine de l'armée spartiate, Kratos inspirait une grande loyauté à ses hommes, et ceux-ci le suivaient dans tous les combats, jusqu'à ce jour maudit. Les barbares de l'Est arrivèrent par milliers. Ils s'abattirent sur les Spartiates, sans la moindre pitié. La bataille dura plusieurs heures. La discipline et l'entraînement des Spartiates ne purent rien contre la déferlante des cruels barbares. Les soldats se firent massacrer, tandis que leur jeune capitaine assistait à la fin de sa carrière et de son existence. Mais pour remporter la victoire, Kratos aurait tout donné, même son âme. Arès ! Anéantissez mes ennemis ! Et ma vie sera vôtre. Cet appel à l'aide désespérée allait hanter Kratos jusqu'à la fin de ses jours. Par tous les dieux, que suis-je devenu ?